Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu et l'apôtre Paul Agué. Amen. Si tu es là, il y a quelque chose qui t'accable. Les yeux ne voient pas, mais toi tu sais que quelque chose est en train de peser sur toi. Parfois ça te fait tomber, mais ça ne te quitte pas. Aujourd'hui, au nom de Jésus Christ, si Jésus est mort, la Bible dit Jésus notre Pâque est immolé. S'il est mort et ressuscité, aujourd'hui que ce fardeau soit enlevé de tes Amen. In the name of Jesus. Amen. Tout ce que l'ennemi a placé sur ta vie, peut-être une situation, un problème, un état, une dette qui est là, quelque chose qui est là, quelque chose qui se passe dans ta maison, qui se passe avec ton enfant, qui se passe dans ton emploi, qui n'importe où, et qui est un fardeau pour toi. Aujourd'hui, de manière miraculeuse, de manière surnaturelle, allez, sois affranchi de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Où que tu sois, sois affranchi de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Sois libéré de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Sois libéré de ce fardeau. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si tu es là, et l'ennemi t'a attaché par quoi que ce soit, les démons t'ont attaché par quoi que ce soit, les agents du diable t'ont attaché par quoi que ce soit, aujourd'hui, au nom de Jésus, que les liens de l'ennemi soient brisés de ta vie. Mon frère, dis amen fort. Dis amen fort. Que bayanda, zikatabo soto, makuriandaye, kalama kalama zindaya baba. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit détache tes liens. Au nom de Jésus, tes liens sont brisés. Tes liens sont détachés. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Les liens par lesquels les sorciers t'ont attaché, que ces liens soient brisés. Quelque chose est en train de se passer dedans. Tes liens sont brisés. Tes liens sont brisés. Tes liens sont brisés. Les liens des méchants sont brisés maintenant. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te rend ministère. Le lien de la maladie, le célibat, la stérilité, la honte. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Keba laba, ye kaba sanda ya bobo, zikia tabo sanda laba ye. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour libérer les captifs. Cet esprit qui est sur lui, et quel que soit ce dans quoi tu es retenu, tu es retenu dedans, tu n'arrives pas à te libérer. Tu es attaché par ça, tu es attaché à ça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu te libère maintenant. Ils ont attaché ton mari. Il n'y a pas ce que tu peux faire. Et les liens de ton mari ne vont pas t'affecter. Les liens de ta femme ne vont pas t'affecter. Les liens de tes enfants ne vont pas t'affecter. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi est en train de faire dans la vie de quelqu'un qui est proche de toi pour affecter ta vie, au nom de Jésus, que cela soit détruit complètement. Mon frère, dis amen très fort. Quelque chose est en train de se passer si fort. Dis amen fort. Oh, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus, nous ne pouvons pas suivre le libérateur et demeurer dans les liens de l'ennemi. Jésus est le libérateur qui te libère des liens de l'ennemi. Cette semaine est une semaine de visitation divine. Je dis, c'est une semaine de visitation divine. Tout ce qui a résisté jusqu'à cette semaine, avant de sortir de cette semaine, que l'onction est la puissance de la résurrection. L'onction est la puissance qui a brisé les liens de la mort à Jésus.
Détruis toutes ces choses au nom de Jésus. Prière de grands changements, de grandes victoires, de grandes délivrances, des guérisons surnaturelles, des ouvertures surnaturelles, des percées surnaturelles pour la gloire du Dieu vivant au nom de Jésus. Si tu le crois, commence à applaudir très fort le Seigneur Jésus. Ainsi soit-il. Le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu et l'apôtre Paul Aguet. Amen.